Salut mes chers gamers, ici Yorkfield et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo réaction, pas sur Squeeway ou une autre chaîne du genre, mais on est de retour pour réagir à une chaîne qui donne beaucoup d'expériences complètement what the fuck à des jouets pour enfants. Ouais, c'est une chaîne qui s'appelle A Boring Day, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Et bah ouais, on va réagir tous ensemble. Si vous voulez aller voir par vous-même les autres vidéos qu'il va faire, allez-y, hein, c'est comme vous voulez. Bon, on va pas trop blablater, on va direct commencer la vidéo réaction. Let's go. Ok, c'est parti. La première partie. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Small Duck. C'est le nom du jouet apparemment. Ok, c'est juste des petits canards qui montent. Et qui descendent après par le toboggan. Oh, le toboggan, je me rappellerai de toute ma vie, ça. Le toboggan, on en faisait tous quand on était petits, surtout moi, même. Ah, en fait, ah, il a une alimentation à gauche qui fait en sorte que ça augmente la tension. Ah oui, ça bouge un petit peu plus vite à 5 volts, là. Donc c'est une alimentation programmable, ce qui est marqué. 5 volts. Ça a l'air un peu rapide. Ok, ils sont tous descendus en file indienne. Oh non. Oula. La musique, elle a commencé à saturer. Là, il n'y a plus de musique. Et ça bouge très vite. Tellement vite que les canards, il y en a certains qui faisaient l'amour en feu. Wesh. À 10 volts, il y en a qui sont en train de tomber. Oh non, le pauvre. Oh non, 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 ça se fait pas. Wesh! Il y en a un qui faisait l'amour avec l'autre. À 20 volts, c'est la catastrophe. Oh non, 30 volts. Mais what the fuck? Tout le monde est mort là. Personne n'a survécu. Tout le monde est mort. 1 volt, je pense que ça va être très lent. Effectivement, c'est beaucoup plus lent. Il n'y a toujours pas de musique, mais au moins les canards ils étaient tranquilles, tu vois. C'est quoi ce jouet? Un chien qui a peur d'une abeille. Je peux comprendre ça, mais le jouet. J'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, à 5 volts ça fonctionne normalement. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Son truc derrière là. Je crois que vous voyez, parce que ça fonctionne avec des piles normalement, je crois que c'est pour l'alimenter. Mais avec l'alimentation là. Ok, à 7 volts, il commence déjà à être survolté. Normal, parce qu'il a beaucoup de volts. Ok, il y a déjà plus de son. Wesh. Il est devenu fou. Il est en train d'injecter du voltage là. What? On dirait que tu fais une danse mais très vite. Oh, wesh! Il a fait tellement. Il est descendu. Enfin, il est tombé plutôt. Ok, l'abeille n'est plus sur lui mais il commence. Il continue, pardon, à faire. Wesh! Wesh, il a pris une cigarette! Il a fumé une cigarette. Oh non, j'ai jamais vu un jouet qui fume une cigarette avant. Je pense que vous non plus. De toute façon, la cigarette, c'est pas du tout pour les enfants. Attends, c'est quoi ça? C'est un truc de foot? Attends, c'est quoi comme pièce ça? C'est un yuan? Ah oui, c'est un yuan. Donc le mec, il doit être... Alors, il peut pas être en Chine parce qu'en Chine, YouTube est censuré, donc ça doit être peut-être à Hong Kong ou quelque chose comme ça. Wesh. Imaginez Messi ou Ronaldo qui jouent comme ça dans la Coupe du Monde. Alors lors de la Coupe du Monde, imaginez, il joue comme ça, il fait des buts tout le temps. Ça serait trop bien, n'est-ce pas? Surtout que Ronaldo, c'est le GOAT du foot. Ok, 20 volts, c'est presque... Ah, non. Wesh. J'allais dire presque pareil, mais
Le mec là, il a même pas le temps de mettre une pièce, quoi. Il bouge tellement vite en route. Oh non, oh non, 25 volts. Il fait... Oula. Oula, il a pété. Wesh. What the fuck? Il s'est complètement détaché. Mais wesh, ça me rappelle Plante vs Zombies, ça. Même si je sais qu'il n'y a pas de plante qui chante forcément. Sauf dans les crédits, hein. Vous savez, il y a le tournesol qui chante à la fin. Ok, on commence à 6 volts cette fois. Ok, 8 volts. Ok, la musique a commencé à saturer comme tout à l'heure. Comme au début, mais là, il n'y a plus de musique. What the fuck, man? What the fuck is this? 20 volts. Mais il a pris de la drogue, là. Il a pris de la drogue. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est là qu'elle a pris. Ou alors ça va être à 30 volts. Ouais, ça va être là. Wesh, c'est un marteau piqueur là, carrément. Le tournesol il s'est transformé en marteau piqueur. Oula. Oula, il a ralenti, ça sent pas bon. Ah bah non, ok, il a pas fumé ou quoi. Wesh, c'est quoi, c'est Donkey Kong qu'on peut faire ça? Ouais, parce que vous savez, les jouets, c'est presque, comme presque tout d'ailleurs, sont faits en Chine, donc forcément, ils fabriquent tout. Et du coup, bah, ils peuvent faire des contrefaçons. Comme Astérion qui a fait des vidéos de contrefaçons consoles, qui sont faits en Chine. Donc je pense que ça, c'est un Donkey Kong contrefait. À 7 volts, ok, il bouge déjà assez vite quand même. Ok, plus de son. De toute façon, à partir de 8 ou 10 volts, il n'y a plus de son. Ou de musique. Oui, je peux. Ah, j'allais dire pourquoi il l'a scotché, j'ai compris maintenant pourquoi. Parce que là, il commence à être complètement survolté. De toute façon, c'est à partir de 15 volts que ça sonne la catastrophe. Enfin, pas à ce point-là, mais vous voyez, ça commence à foutre le bordel. 20 volts. 25! Wesh, la quantité de scotch qu'il a mis là. Wesh! Ah, bras, je sais pas quoi. Ah, il a perdu une main aussi. What? What? What the fuck? Mais what the fuck, mec? Bon, bah, allez, la partie 2, hein. Ok, un canard qui danse. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un canard ou un oiseau ou je sais pas quoi. Qui danse avec une radio. Mais une radio Pokéball. Une radio de Pokémon. Parce que... C'est... Ça a la... Ça a les couleurs d'une et la forme un petit peu d'une Pokéball, vous trouvez pas? Ok, à 7 volts, c'est normal pour lui. À 10 volts, je pense qu'il n'y aura plus de musique. Ah, quoique, si. C'est juste qu'il bouge un peu plus vite. Oula. Ok, à 15 volts, il n'y a plus de musique. Et il commence déjà à faire... Je vais te dire que c'est complètement n'importe quoi. Il a complètement détruit sa radio. Il a pété, il a lâché une caisse. Non, je rigole, c'est juste le mécanisme qui foire. Mais moi, quand j'étais petit, je me rappelle, je disais, ouais, il me plaît, pourquoi il fait des plaies. Ok, là, il a sauté dans le vide, il s'est suicidé. Ah ouais, à 2 volts. C'est lent, mais comme pour le voir, le mécanisme, il foire encore. Ça fait tac, tac. Ouais, ça foire encore. Oh, Thomas the Tank Engine! Oh putain, je m'en rappelle. Enfin, je pense pas que j'avais des jouets de Thomas, mais... Je m'en rappelle d'avoir le dessin animé. Je regardais Thomas the Tank Engine, je regardais Chuggington aussi. C'était à plus de 10 ans, hein. Au moment où je filme cette vidéo, c'était à plus de 10 ans. 7 volts. Ouais. Ouais, c'était à plus de 10 ans du coup. Là, on est en 2024, au moment où je filme cette vidéo. C'était, je crois, en 2014 et avant. Et moi, en 2014, j'avais 8 ans ou 9 ans. Oula, ok, à 10 volts, le train de fret, il commence déjà à perdre sa marchandise. Hein. Eh, faut pas aller spotter ce train du coup. Hein. S'il va vite, faut pas le spotter. Regardez, en plus, la preuve, il a déraillé. Wesh! Oh, la différence entre 10 et 15 volts! Putain! Là, il déteste sa propre marchandise.
Ah oh, putain, ça sent déjà la catastrophe. Ça sent déjà la catastrophe. Je pense qu'à 30 volts, ça va être le pire. Même si c'est déjà 25, regardez, c'est complètement n'importe quoi. Même l'aimant, il tient plus entre la loco et les wagons. L'aimant, il tient plus, quoi, à cette vitesse-là. Ok, là, il, encore une fois, il déglingue sa propre marchandise. Il est en mode... Je suis en train de faire le transport du truc, mais non, en fait, je m'en bats les couilles, voilà. Oh non, là, ça sent la catastrophe. Bah voilà. Ça sentait la catastrophe, c'était sûr. À 30 volts, c'était sûr et certain. Wesh, lui aussi, il a fumé une cigarette. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah, si c'est une contrefaçon de Crab Rave, ok, j'aime bien. Enfin, j'aime pas vraiment les contrefaçons, moi, mais Crab Rave, j'aime bien. Si c'est une petite référence à Crab Rave, ouais, c'est bien. Ok, je sais pas pourquoi, par contre, y a pas de son, y a juste de la musique. Mais, ouais, à 5 volts, c'est totalement normal. Oula! Comme vous l'avez vu, ces pattes-là, ils ont débranché l'alimentation. Ok, à 7 volts, il commence déjà à être encore survolté. Je vais pas dire bourré, parce que quand on est bourré, on réagit pas aussi vite comme ça. Ok, l'alimentation, le fil là, il s'est emmêlé entre les pattes. Ok. Wesh! Wesh, à 10 volts, vous êtes sérieux? Ok, là, ça va être crabrette.exe. À 15 volts. Ça va être crabrette.exe. Wesh! 20 volts, oh non. S'il a mis autant de scotch, c'est que ça va bientôt être la catastrophe. Wesh, on dirait le bruit d'un bébé qui chiole. Wesh. Attends, mais ces jouets-là, ces petits personnages. Attends, c'est des trucs en Russie, je crois, ça. Ça s'appelle comment? Ah, Matroshka, wesh, c'est des trucs comme ça. C'est des personnages comme ça en Russie, je m'en rappelle. Référence à Masha et Mishka. Que je regardais aussi beaucoup avant. Ok, c'est juste un petit manège. Je sais plus comment il s'appelle ce manège là, mais je me rappelle dans les fêtes foraines, j'y allais aussi. Dans les fêtes foraines, moi je le prenais de temps en temps. Ok, pendant que je parlais, il y avait de la musique, mais là il n'y a plus, à 15 volts. Comme avec le canard tout à l'heure. 20 volts. Wesh. Ok, le mécanisme il foire déjà. Oh, il va avoir des morts là. Wesh! Wesh! Il y a déjà eu un mort, les gars! Un mort à déplorer! Wesh! Tout le monde est mort sauf le bébé! Ah bah le bébé, bravo! Hein. Je sais pas comment il a fait poursuivi, mais bravo! Hein. C'est quoi ce jouet à la con? C'est un chien qui fait comme s'il fait. Ok, en fait c'est juste, tu le mets des pièces ou autre, et il commence à, entre guillemets, lécher. Enfin, à boire avec sa langue. Comme tous les chiens font avec de l'eau ou du lait ou autre. Du lait, je pense pas, mais du lait, je pense que c'est plutôt pour les chats, ça, mais bon. Les chats aussi font avec leur langue. Ok, 10 volts, il commence déjà à être agressif. Là, je suis en mode. Il sait même plus quoi faire, il part dans tous les sens. Là, il a bu. Là, il a bu 3 grands verres de whisky. Ouais, là, il a bu du whisky, hein. Il a pas bu autre chose. Wesh! Wesh! Il s'est complètement décroché. Ses pattes sont décrochées. Et là, il a plus de pattes, il a que des jambes. Ok, là il s'est complètement décroché du truc, vraiment. À 30 volts, de toute façon, c'est le pire. 30 volts, c'est le pit. C'est le pire, pardon. Mais what the fuck? Mais il est tellement sadique, lui, hein. Wesh! Il a mis sa tête! Mais non, mais il est sérieux, lui. Mais wesh! Ok, bah, partie 3, hein. Attends, mais il chante en chinois, là, je rêve.
Oui, Made in China, ça je sais, mais... Ouais, il chante en chinois, je pense. Hein. Ça s'entend avec l'accent. Je sais distinguer de toute façon le japonais et le chinois. Hein. Avec l'accent. Ça, c'est juste une... Attends, c'est quoi? Je crois que c'est une grenouille ou un crapaud, je sais pas, qui joue de la guitare en se prenant quelque chose comme ça. Comme si il était alcoolisé. Ok, un 20 volts, là, il est peu alcoolisé, il est carrément drogué, quoi. Un 25 volts. Oh non, je pense qu'à 30 volts, s'il fume pas, c'est que c'est un jouet de haute qualité. Même si tu vois, c'est made in China, tu vois, c'est tout qui est fabriqué là-bas. Il est même en train de se donner une claque, là, vous voyez. La jambe, sur la jambe déjà, sur son pied plutôt. Oh non, je pense qu'il va fumer. Je pense qu'il va prendre une cigarette, là. Non? Ok. What the fuck? C'est quoi cette merde? Le squelette, il tourne un truc, mais il fait quoi ce truc? Je pense que c'est un jouet plutôt fait pour les trucs comme Halloween, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, il y a des araignées tout dessus. Des araignées, des squelettes, tout ça, c'est des trucs d'Halloween, de toute façon. Même si tu vois, Halloween, c'est dans quelques mois. Ok, à 10 volts, il n'y a plus de son. T'as un son, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 7, 8, voire 10 volts, et des fois 15, si tu vois de la chance, bah, il n'y a plus de son ou de musique. Ok, là, il fait son travail très vite, un peu comme moi, avant, où j'essayais de tourner vite pour juste impressionner les autres de mon énergie. 20. Oula, wesh! Wesh, il a plus de pied gauche! Il a plus de pied gauche, le squelette! J'espère que ça vous arrivera pas, ça, les gars. Et wesh! Wesh! What the fuck? Oh, ça m'a fait pleurer! Ça m'a trop fait rire! Ok, juste une horloge avec un truc dessus. Ah, ça me rappelle un jouet, je m'en rappelle. Genre, il me disait par exemple, mets l'heure à 1h15. Et je me disais, écart, c'est combien de minutes? Mais c'était moi en fait quand j'étais petit. Bah, on était petit de toute façon, comparé à aujourd'hui, on n'était pas tous intelligents. Il y a des exceptions quand même, mais bon. Ok, à 7 volts, il n'y a plus de son. Wesh! Il allait direct à 30 volts! What the fuck? Il est allé direct à 30 volts, l'oiseau il s'est envolé comme il a voulu le faire depuis des années qu'il restait dans la maison. Ok. Ok, encore un canard qui danse. Mais cette fois il danse 10 volts. Ok, comme je m'attendais, déjà il n'y a plus de son et en plus les éclairages ils ont du mal. Non mais sérieux lui. S'il l'a scotché c'est qu'il y a une raison à 20 volts. Mais le problème bah, ça se décroche vous voyez. Le scotch il s'enlève. Tellement ça lui sert de la force. Wesh. Je rêve où son bas ses pieds s'est décroché. What the fuck mec. What the fuck. 30 volts, c'est pas mieux. Oh non. Je pense qu'il fume en plus, là. Oh non. S'il ralentit, c'est que c'est pas forcément il fume, mais ça peut arriver. Ah bah voilà, vous voyez, il a pris du cannabis, là. Wesh, c'est Peppa Pig. Peppa Pig. Je me rappelle, soit qu'il disait Peppa Pig dans une de mes vidéos, il disait arrête de faire ça, gros peur. Parce que moi, je n'aime pas du tout cette musique. Ah, moi aussi, je m'amusais à faire des trucs comme ça sur certains jouets. Et j'entendais le... Et je me disais, oui, c'est quoi ce bruit? Ah! Le câble, regardez. Il s'est encore... Non, il s'est pas emmêlé, mais... Oula. Oula, le câble, là, il va le niquer, là. Wesh. Ah bah oui, là, il... Il coupe le jouet là, sa corde à sauter, mais ça suffit pas quoi. Wesh!
Il n'a plus sa corde à sauter, du coup il tombe ses bras le plat dans le vide. À 15 mètres. Que me dire. Je peux quoi dire tellement les joyeux. En fait, plus le voltage il augmente, la tension, et plus et plus bah il se comporte vite quoi. Donc à 20 volts je crois, il a encore fait un câlin au câble. Et il en pouvait plus. Attends, mais c'était quelle langue ça? C'était le mien ou... Non, c'est chinois ça encore. En fait, c'est juste ses yeux et que ça bouge et fait. D'un coup, il est content, d'un coup, il est pas content. Si ça fait juste bouger plus vite, ça va. Il change d'un coup d'émotion, la boîte. Elle change en une seconde, elle change je sais pas combien de fois d'émotion. Content, pas content. Content, pas content. Content, pas content. Oula, ses yeux ils ne bougent plus. Ok, c'est devenu un chinois. Même si vous voyez, c'est un chinois de base. Parce qu'il parlait chinois tout à l'heure. C'est de redevenir un chinois. Ok. Il a niqué ses yeux. Ok, je peux quoi dire. Ah, en fait, c'est un petit mécanisme qui bougeait ça bouge comme ça. C'est juste de l'élastique. Et... qui bouge selon le métal qui monte ou qui descend. Ok, partie 4. Chaque partie dure à peu près 8 ou 10 minutes en moyenne, de toute façon. Mais, ouais, qu'est-ce que t'as, l'âme de Shrek, là? Shrek, t'as pas élevé comme ça, hein? Bien sûr, je fais des blagues, hein. On rigole ensemble dans les commentaires. Ok. Je pense qu'il a bien fait de mettre de la musique, parce que je pense pas que ce sera un bruit agréable à entendre. Ok, rien qu'à 5 volts, il est fou. Déjà, le câble, il l'a encerclé. Et en plus, tout à l'heure, pendant que je parlais, il est tombé. Tombé par terre. Ok, on commence à l'entendre là. Mais c'est un âne complètement qui a pris 100 kilos de cannabis et qui a bu une bouteille entière de whisky. À 10 volts, c'est encore pire. J'imagine pas ce qu'il va faire à 30 volts. On est déjà à la. Ouais! J'allais dire 30 volts, ça va être la catastrophe, mais 15 volts, c'est déjà complètement n'importe quoi quoi. Wesh! Ok, je retire ce que j'ai dit pour 15 volts. Oh non, c'est la catastrophe à 30 volts. Wesh! Ok, là il fait. Wesh, depuis quand il a joué Soldat Spider-Man? What the fuck? Bah écoutez, c'est les Chinois, hein. Ils aiment pas les Américains, du coup. Voilà. Et vu que Spider-Man, bah, c'est américain, bah voilà. Enfin, c'est une création américaine, mais c'est Sony qui avait les droits, et Sony, bah, qui est une compagnie japonaise. Mais c'est plus américain, je crois, parce que ça se déroule à New York. Et... ok, à 5 volts, il bouge déjà plus vite, donc je pense qu'il a besoin de moins de 5 volts pour qu'il fonctionne normalement. Ah, si c'est juste danser avec ses pieds, ça va, mais j'ai peur que son corps il se détache ou quoi. Là, il fait une halai dance. Je vois à l'écran ce que j'appelle une halai dance. <20 volts>. 20 volts, oh non. Le squash il tient même plus. Mais lui aussi il est drogué, toi. Lui aussi il a pris du cannabis. Oh non, j'ai peur. Ok, là il a lâché une caisse. 3. 4. Wesh! What the fuck? Oh, ok, j'avais besoin d'avoir peur. J'ai eu raison d'avoir peur. Ton corps était détaché. Pauvre Spider-Man. Attends, c'est pas par rapport à ça. C'est encore du Made in China, donc.
tous les jouets de façon presque qui sont made in China. Ah, c'est beau quand même, hein, la nuit. Dans une zone sombre. L'éclairage, c'est beau. Hein. C'est pas par rapport déjà, ça c'est sûr. Mais ça ressemble, je trouve. Ça me rappelle une combinaison du Parappa et du jeu Skate 3. J'ai pas fait de vidéo sur Skate 3, mais je connais un peu pas le jeu. Ok, 7 volts. 10 volts, oula, s'il a mis un vrai truc de skate, c'est quelle raison. Voilà la raison. Voilà la putain de raison. Ok, il bouge tellement vite. Il bouge tellement vite qu'il tient même pas une seconde, quoi. Regardez. Il a tenu à peine une demi-seconde, même pas. Ouais. Son truc de skate, il l'aime plus. Ok. Son skateboard, il l'aime plus. Et à 30 volts, bah c'est la catastrophe. Comme à chaque fois. Son skateboard, carrément, il le frappe dans tous les sens. Il le déglingue, carrément. Il le déglingue. Ouais. Il l'a coupé en deux. Eh hey, mec, on n'est pas dans le saut, hein. On n'est pas dans le saut. Je me surprends de faire une vidéo de ce jeu sur ma chaîne en anglais. Vous voyez. Ouais, t'es sérieux, toi. Il a mis le Donkey Kong contrefait sur la skateboard. Il est sérieux, lui. Et lui aussi, il fait déglinguer. Ok, ça, c'est la skateboard de saut, tu vois. Tu le montes dessus, tu vas trop vite, tu te déglingues. Oui, ça me dirait un oiseau mignon, ça. Enfin, je parle pas de mignon cute, hein, kawaii. Je parle des mignons dans Bon Moche et Méchant. Vous voyez, c'est son tout jaune. Et ça, bah, il a une tronche d'oiseau. Ok, pendant que je parlais. Et ouais, pour moi, c'est une combinaison d'un oiseau, parce qu'il a une tronche d'oiseau. Ou de corbeau, hein, je sais pas, après, c'est la famille des oiseaux. Et bah, des mignons de Bon Moche et Méchant, parce qu'il est tout jaune. Sauf ses cheveux, bien sûr, on dirait des cheveux de papy. Ok, si c'est juste danser, pour l'instant ça va. Mais s'il se détache ou je sais pas quoi après, c'est une catastrophe. C'est une disaster. Ok, à 10 volts encore ça va, il fait des fois bouger. Mais après ça va. Ok, à 15 volts. Wesh! Ah, est-ce qu'il s'en renverse carrément là? Il ne tient plus son équilibre, un peu comme moi, il n'arrive pas trop à tenir mon équilibre sur un pied. Ou alors qu'il danse trop vite, mais qu'il essaye de tenir mon équilibre, mais qu'il n'y arrive pas. Ça commence déjà à être du what the fuck. À partir de 15 ou 20 volts, de toute façon, ça commence à être du nonsense, quoi. Ça n'a pas de sens. Oh non, 30 volts. Oula! Oula, il a fumé du cannabis, le jouet. Oh là là. C'est pas bon. Non, c'est pas... Oh, mais c'était quoi, ça? Wesh. Mais c'est quoi, ce triangle amoureux bizarre, là? What the fuck? Bon, en vrai, je vous avoue, ça, les filles, là, qui sont là, ce sont les waifus, pour moi. Ce sont les waifus, et le mec, c'est moi. Bon, après, vous allez me dire, ouais, petit peu, mais après, c'est des waifus, hein, ce sont pas des personnes réelles. Mais elles, ce sont des vraies personnes, hein, ça représente des vraies personnes. Mais mec, t'es sérieux. Ok, elle, il l'a beaucoup voulu. Ok, lui, il arrive pas à l'embrasser maintenant. Voilà, tu vois, elle te rejette toute, gros connard, là. J'ai même envie de le voir détruire, tu vois, ce jouet. Wesh! Ouais, on dirait lui maintenant c'est Peter et le mec qui l'a pris là, on dirait c'est Marie Nune. Je pense qu'il a tout les prendre. Wesh! Il a arraché la tête de Gwen. What the fuck? Mais comment il a osé mettre Spider-Man? Il a osé mettre Spider-Man, what the fuck? Il a cru que tous les trois c'était des clones de Mary Jane et de Gwen Stacy. Partie 5 les gars. Oh, c'est quoi, c'est un cheval, ok, un cheval tout rouge. C'est pas le cheval de Red Bull, hein, parce que Red Bull c'est même pas un cheval, c'est un taureau. C'est du pipi de taureau, voilà, vous avez compris.
Ok, il a besoin de 2 ou 3 volts pour qu'il fonctionne normalement. À 5 volts, je pense qu'il... Voilà. Ouais, ok. Ok, comme je m'attendais, il se renverse. À 7... Wesh ! Il se retourne sur soi-même. Tellement il injecte du voltage, quoi. 10 volts ! Oh non. Mais en fait, c'est vraiment un jouet faible tension, hein. Et si tu lui mets trop de tension, ben voilà ce qui se passe. Il devient complètement fou. 20 volts. Wesh. C'est bon avec le scotch, là. L'environnement. 25 volts. Wesh. Il a perdu une jambe. Les gars, le cheval a perdu une jambe. Non, en vrai, ça se fait pas, je rigole à ça. Mais wesh. Wesh. Ouais, il est devenu chirurgien là. Le mec là qui l'a donné du, qui l'a fait. Mais what the fuck, mec. Ta chirurgie, elle était pas bonne là. Hein. Oh, le père Noël, Santa Claus. Même si vous voyez, Noël c'est quand même assez loin, mais tu vois, c'est. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il a pris un truc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il a pris un truc. Je sais pas si c'est une clé ou je sais pas quoi, mais il a utilisé ça pour alimenter le jouet. Enfin, avec l'alimentation, bien sûr. Ok, à 7 volts, il a déjà du mal. Et il est déjà tombé. Ok. Ok, il a voulu scotcher le Père Noël, là. Hey ! Ah, maintenant, il augmente le voltage au fur et à mesure, comme ça. Il fait pas genre des coupures entre 10, 15, 20, 25, 30 volts. Il a perdu la tête. Ouais. Il a perdu la tête, le Père Noël. What the fuck. Je sais même plus quoi dire. Je suis speechless, les gars. Ah, mais je me rappelle de ces jouets là. J'avais pas celui-là exactement, mais j'avais des jouets comme ça, je me rappelle, hein. Mais par contre, je vous mens pas, je préférais les nerfs que ça. Hein. Vous savez, les pistolets. Hein. Je sais pas si j'en fais encore, mais des jouets, vous savez, avec des espèces de balles. Et vous tirez sur les copains et ça leur fait un petit peu mal. En fait, c'était un moyen de s'entraîner à Black Ops 2, je trouve. Sauf que quand Black Ops 2 était sorti, moi j'avais à peine 7 ans et j'y jouais déjà. Ok, en parlant, il augmentait la tension, il a arrêté les coupures. Ok, le soldat, il a perdu son bras. À 25 volts, il a perdu son bras. Ah, ça tire trop vite. Ok, à 30 volts, il l'a définitivement perdu. Il a été amputé du bras. Mais wesh, son bras maintenant, c'est une balle. Ok. Ah, je m'en rappelle de ça. Wesh, je m'en rappelle de jouer comme ça. J'ai joué quand j'étais petit aussi. Cette vidéo en même temps me donne des souvenirs. Hein. Et ça me donne envie de raconter votre vie. Ah! Ok, donc ça fait vraiment un game over ça. Si on cogne sur les voitures. Moi je pensais, ouais, tu des dessins. Mais en fait, non. Ah bah là, oui, par contre, c'est que des dessins à partir de 10 volts. Mais en fait, ça fait quoi? Ça va juste aller de plus en plus vite? Ok, c'est juste ça. Après, ça va, mais. Si le jouet il crame ou je sais pas quoi, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon quand un jouet il crame comme ça. Ok, là il va aussi vite que la Bugatti Veyron et la Bugatti Chiron là. À 400 km/h. Wesh, 31 volts. Non mais wesh. Ok, je pense que le jouet il a cramé. Mais wesh. Il a mis le truc du foot là qu'on avait vu dans les parties précédentes. Mais tu peux pas être une voiture toi. Ok. Ah, c'est un truc de pêche. Ok. C'est pour pêcher. Logique. Tu vas pas être con quand même. À la fête foraine, je me rappelle, je voulais en faire de ça. Je voulais beaucoup en faire. Ok, le son, il galérait. Mais il s'arrêtait encore. Enfin, la musique plutôt, parce que c'est une musique. Ok, 10 volts. Enfin, en fait, si c'est juste tourner plus vite, encore une fois, ça va. Mais si ça fait genre foiré ou autre, c'est pas bon. À 15 volts. Ok, ça commence à faire du bruit comme un ordinateur des années 2000.
Là, il arrive plus à pêcher. À partir de 20 volts, il arrive plus à pêcher. Donc, je vais te faire. Oh non, 30 volts, c'est le pire. Ils ouvrent trop vite leur gueule. Oui, c'est un animal. Hein. Pour ça, c'est un animal. C'est une gueule. Wesh! Attends, c'est le truc d'un animé, ça? Ça s'appelle comment? J'ai oublié le nom. Ok, à 5 volts, ça va déjà plus vite que la normale. Non, cette musique, elle me dit rien. Mais même si vous voyez, je suis un oui, je suis fan des animés et tout ça. J'ai pas regardé tous les animés non plus, hein, y en a tellement. Oh non, il est en train de gâcher la musique, là. Oh non, c'est pas mieux. Je sens qu'il va casser une des notes. Je sens qu'il va casser une des notes à force de faire ça. À 4... J'allais dire 15 volts. Ça sent pas bon. Tellement ça va vite, ça sent pas bon. Oui, c'est 20 volts. Wesh. Vous êtes sérieux, les mecs? Oh non. Je sens que là, ça va se casser. Ça va tellement vite, je sens que ça va se casser. Je sens qu'une des notes va casser. Oh là là. Oh non. 30 volts, je pense que ça va se casser là, c'est sûr. À 30 volts, ça va se casser. Une des notes va se casser. Non? Ok. Wesh! Il le fait à l'envers, carrément! Wesh! Ok, j'avais tort quand je disais qu'il va se casser. Mais je pense que là, ça peut se casser, hein, s'il le fait à l'envers. Wesh! Et oui, j'avais raison en fait. Une des notes, et c'est pété. Regardez, ça s'est pété. Et du coup, bah forcément, bah oui, il manque des notes à la musique. Hein. La musique, maintenant, elle est pétée. Hein. Bravo. Tu as réuni la musique d'un animé. Bravo. Partie 6, les gars, c'est l'avant-dernière. Cette musique, je crois qu'elle me dit quelque chose. Et ce personnage aussi, je pense qu'il me dit quelque chose, hein, mais j'ai oublié son nom. Celui du personnage et de la musique. Ok, 5 volts. Totalement normal. 7 volts, ok. C'est la première fois que j'entends une musique un peu plus pitchée. Pitchée par Audacity. À cause d'une tension un peu plus élevée. Ok, 8 volts. Il n'y a plus de musique. Voilà, comme je m'attendais. À 8 volts, généralement, il n'y a plus de musique. Des fois, ça va jusqu'à 15 si le jouet il est solide. Mais ça, je pense que c'est encore du cheap. Hein. 20, 25. Il va tellement vite entre les transitions des tensions. Oula. Je pense qu'il a fumé. Wesh, il l'a tapé carrément. Mais respecte. Wesh. What the f... Non. Mais non, mais... Là, il a rappelé la vidéo, vous savez, une vidéo qui s'appelle 25 Ways to Kill Yoshi. Non, mais là, il a fait une référence à la vidéo où il a tué Yoshi. Non, mais sérieusement, ça se fait pas. Non, mais sérieusement, ça se fait pas. Ok, ça, c'est un truc de piano avec un moulin à l'intérieur. Mais un moulin qui tourne aussi vite que le ventilateur d'un PC quand il chauffe à 100 degrés. Ok. La musique, elle a été pitchée mais ralentie en même temps avec Audacity. Ok. Et là, comme je peux voir, c'est des notes comme Shi, Re, Do. Shi, déjà, c'est chinois, ça c'est sûr. Ou Xi, je sais pas. Par référence à Xi Jinping, mais bon. Oula, 30 volts, c'est le bruit d'un ventilateur d'un PC. What the fuck? Mais wesh. Ah! Ah, je pense que les gars, elle a voulu faire ça. Ouais, elle a voulu faire ça. Si c'est le gong. Le gong, je crois que c'est chinois en plus. Hein. Il y en a qui se demandaient, c'est chinois, c'est coréen, c'est japonais, c'est quoi? Bah, ben, j'ai vu, c'est chinois en fait. Mais surtout, ça coûte cher. Ok, plus de son. J'ai fait ça juste pour le fun. Voilà.
Bon, je vais arrêter d'appuyer parce que là, j'aimerais bien entendre comment il va réagir le jouet. J'ai déjà ma petite hypothèse. Déjà, le haut, je pense qu'il va se détacher. Oula. Déjà, il a plus le bâton. Mais wesh, t'es sérieux avec sa tête? Mais sérieusement. Non, mais sérieusement, ça se fait pas, mec. Au moins, le jouet, il a... Mais oh, il a encore pris le bras, là, du Donkey Kong contrefait. Et il a défoncé le gong. Il a fait un... Dang! Ok, je crois que ça, c'est un hamster qui court à l'infini. Enfin, un faux hamster, parce que c'est un jouet qui fait de la musique. Ouais, voilà. Vous voyez? Il peut même courir en dehors de son truc, là. Et là, il veut faire l'amour avec la caméra. Ok. Mais moi, je veux pas faire l'amour avec... À 5 volts, déjà, ça va assez vite. Je sais pas si c'est normal, mais... À 10 volts, ça va un petit peu plus vite. Enfin, en fait, si ça va de plus en plus vite, ça va. Et si le jouet crame, comme je dis, c'est parfait. Ça veut dire que c'est un jouet qui fume du tabac. Voire même du cannabis. 20 volts. Ok, il a déjà du mal. À 20 volts, il a déjà du mal, les gars. 25. Ok, c'est pas mieux. Il a encore plus de mal. Et là, il est en train de lâcher une caisse. À 30 volts, c'est pas mieux. Ah si, quoique. Oula, non. Wesh! Ah, j'aimerais pas que la grande roue dans la fête foraine, elle fait ça, hein. Et là, surtout, elle est en train de faire l'amour avec l'alimentation. Wesh! Il a combien de bras, là? Il en a combien? Il en a un, deux... Oh non, non, je vais pas compter, hein, je vais pas compter. À 5 volts, non. C'est normal. Je pensais que c'était plus bas, mais bon. Ok, à 8 volts, il y a déjà les trucs qui tombent. Mais je sais pas si jouer, il sert à quoi, à part faire de la musique et danser comme un con. Mais wesh, ok, là, il jette les petites boules partout. Mais le mec, il s'embête à les ramasser et à les remettre une par une juste pour que elles soient de nouveau éparpillées partout. Non, mais pourquoi il s'embête, le mec? Parce qu'il sait que ça va se renverser, de toute façon. À 25-30 volts, c'est sûr. Il n'y en a aucune qui va tenir sur le bras. Vous voyez? Ouais, en plus, elle a plus de tête. À la tête, je m'attendais pas. Hein. Ni à... Ouais, son corps entier s'est détaché. Non, mais t'es sérieux? Are you serious, man? Ok, ça c'est Diddy Kong, mais contrefait. Même si vous voyez, ça ressemble pas. Ouais, c'est une musique, attends, quoi, t'as dit quelque chose. Ouais, je crois que je l'ai déjà entendu, il me semble. Ou alors c'est une musique qui ressemble à une autre que je connais. Et il semble que le haut-parleur, bah, c'est le nombril, son gros truc là. Vous voyez là où il y a son nombril et tout. 7 volts. Ah bah il y a toujours du son, hein. Sauf que là il commence à devenir un petit peu foufou. Ok, plus de son. 10 volts, plus de son. Donc je pense que c'est un jouet qui risque de cramer. Pas forcément, mais oui, il y a un fameux risque qui crame. 15 volts. Wesh, il va tous les défoncer. Mais non. Ok, vous voyez, lui c'est un japonais et les autres ce sont des russes. Les petits matroshka qu'on avait parlé tout à l'heure. Ok, et là il a encore emmêlé le câble. Un peu comme Peppa Pig tout à l'heure avec sa corde à sauter de merde. 25. C'est pas mieux. Il a bu 10 bouteilles de whisky là. Ouais, je dis du whisky parce que c'est l'alcool le plus fort. Hein. Et il a même bu du avec ça de la vodka. Pour défoncer les routes. Alors. Ok, il a plus de bananes. Bien fait pour lui. Wesh. Il crame pas. Oui, ok, je veux plus ses bananes. Il s'en fiche. Oula. Oula, ça sent la cigarette là. Ça sent. Voilà, ça sentait. Mais c'était sûr, putain.
Et là, c'est Donkey Kong contrefait qui est triste pour Diddy Kong contrefait. Allez, c'est parti. On regarde le dernier épisode maintenant, les gars. Et voilà, ça dure 10 minutes à peu près. C'est un petit peu plus long. Ça, c'est un épisode spécial Noël. Mais si, ouais, on n'est pas encore Noël. C'est loin. Bon, je fais ma vidéo, mais... Mais voyez, c'est quand même des jouets qui subissent des expériences complètement what the fuck, donc autant regarder. Ok, c'est un jouet, enfin c'est trois jouets en un. Là, c'est si tu veux, c'est Bocce the Rock, mais en version Noël, quoi. Enfin, pas, elle porte pas des chapeaux de Noël, elle a juste des sapins. Un sapin, un bonhomme de neige déguisé en sapin et un... Je crois que c'est une reine au milieu. Vous voyez le câble en haut là? Ah, la musique elle est encore là, c'est Jingle Bells. Il continue à danser avec le fil complètement emmêlé. En fait, le fil il s'est emmêlé sur lui. Et là, bah, il fait un demi-tour. Ok, il a même le chanteur. Enfin, le danseur, le chanteur c'est lui, hein, mais le danseur il la kick, il le déteste. Du coup, c'est devenu une reine.exe maintenant. Je sais pas comment le dire autrement. Ok, 10 volts, y a plus de musique. Et là, je pense qu'il va augmenter progressivement le truc. Parce que, ouais, on est dans le dernier truc là. Oh non, 15 volts. Mais wesh! Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais au milieu, c'est un boulinex. C'est un boulinex, là, au milieu. <rire> 31 volts et ils sont complètement drogués. Ils ont bu 100 bouteilles de whisky, 100 bouteilles de vodka et ils ont fumé quelques barres de cannabis. Voilà. Bon, ne faites surtout pas ça, les gars, c'est interdit. Ah, c'est fumé, c'est tragique. Ah, ils s'embrassent, ok. Le sapin et la reine s'embrassent. Ah, ok, là, maintenant, c'est le Père Noël qui est devenu... qui a pris le rôle d'un des personnages de Bocce the Rock, ok. Qui joue de la batterie. Mais sauf que, bah, il ne touche pas à la batterie, quoi. Il touche au tambour, mais il touche pas à la batterie, quoi. Donc là, Bocce est meilleur, enfin, Bocce est mieux que le Père Noël en termes de pour jouer de la musique, tu vois. Ok, il y a eu de la musique, mais il s'est coupé. Mais là, c'est devenu un marteau piqueur, là. À 10 volts et à 15 volts, c'est un marteau piqueur. À 15 volts, c'est un marteau piqueur qui est incontrôlable. Un peu comme un des épisodes du dessin animé Mr. Bean, je pense que vous avez la reine. Là, 20 volts, c'est une mitraillette, quoi. C'est un Uzi. Si tu veux, c'est un mini Uzi. Ok, plus de chapeau, plus de lunettes. Maintenant, il est aveugle, le Père Noël. Ok, maintenant, c'est devenu une mitraillette 2.0. Une mitraillette 2.0. Ah, mais sérieusement. Et là, il dit non. Il dit non, je veux plus jouer de la batterie, je veux plus jouer du tambour. Non, c'est bon. Mais si, en fait. Ok, là il se tape sur lui-même, il se tape sur ses couilles. Ok, je sais pas ce qu'il fait là, mais... C'est quoi ce jouet à la con là? Un sapin qui chante Jingle Bells, Jingle Bells. Mais wesh, là, le truc qui... Le fait que ça touche là avec son truc... Wesh, c'est pas une bite. Vous allez me détester parce que je dis ça, mais parce que ouais... Si vous regardez de plus loin, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Même si, ouais, j'aime pas parler de ces trucs-là, mais vous comprenez, j'ai pas d'autre moyen de le dire. Oula. Mais ouais, il est en train de faire quoi, là? De jouer. Ok, c'est devenu un marteau-piqueur à l'envers. C'est devenu un marteau-piqueur dans Minecraft. Ok, il a plus sa petite cloche de merde.
Ah, ça, même, ça faisait même pas de bruit, je pense. Voilà, très peu. Et je pense pas que ça fait de bruit, sinon. 31 volts. Oh non. Ok, au moins ça a pas cramé. Wesh. Un Père Noël qui secoue de gauche à droite avec un truc à la DJ. Vous comprenez, hein, quand je dis la lumière à la DJ, c'est parce que vous voyez, on voit ça des fois en boîte de nuit. Ouais, vous comprenez pourquoi. 8 volts. Ok. Plus de musique. Il a réduit le laisser à 5 volts. Parce que ceux qui fêtent Noël, bah, je pense pas que vous allez être content en voyant ça. En voyant cette partie de la vidéo, la fin. À 10 volts, c'est pas mieux. À 20 volts, le Père Noël c'est devenu. Non, j'allais dire un marteau-piqueur, mais je vais pas répéter le même mot quand même. Ok, c'est encore une mitraillette. C'est une mitraillette 3.0. Tout à l'heure, je disais 2.0 avec le Père Noël qui joue de la batterie et du tambour, mais là, c'est 3.0. Oula. Ok, il a lâché un très gros paire, une très grosse caisse. Oh non! Il a fumé une cigarette! Il a fumé un paquet de cigarettes, le Père Noël, là. Mais what the fuck? Ça fume de partout! Alarme incendie! Ouais, ça fait pas. Eh, hey, mais ce mec, il aime pas le Père Noël, hein. Ni le joueur de foot, regardez, il l'a fermé direct. Oh non, pas ce jouet-là. Enfin, je dis ça parce que je pense qu'il va faire n'importe quoi avec le jouet, vous voyez, afin d'augmenter sa tension, comme il le fait à tous les autres jeux qu'on a vu auparavant. Il aurait dû le laisser à 5 volts ou je sais pas quoi. Ah non, ok, à 5 volts, ça va toujours aussi vite. Enfin, toujours aussi vite que je le pensais. Un peu comme le cheval rouge là qu'on avait vu plus tôt dans la vidéo. Ah bah il y a encore de la musique à 7 volts, ok. volts, plus de musique. 9. Oh non. Mec, arrête ça. Le Père Noël là, il va vomir, hein, il va avoir la nausée, carrément. Oh, what the fuck? What the fuck? Il s'est carrément coupé en deux. Eh, on n'est pas dans Saw, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas dans Saw. Il n'y a pas de Jigsaw, là, on n'est pas dans Saw. Et même la reine a fumé une cigarette, tu vois. Elle a fumé 10 paquets de cigarettes. Ah, attends, ça c'est le jouet, je crois qu'on l'a vu sur la miniature. Un bonhomme de neige qui danse. Je pense que lui aussi va souffrir. Enfin, souffrir comme l'autre là tout à l'heure. Ok, lui à 5 volts, c'est normal. S'il fait que bouger avec les pieds un peu comme vous savez, l'oiseau mignon, l'oiseau toujours tout à l'heure. Si ça fait que ça, ça va. 8 volts, musique. 10 volts, plus de musique. Ok, je pense que s'il l'a scotché, je pense que après il va bouger aussi vite qu'un marteau-piqueur. Ok, il commence déjà à lâcher une caisse. Il commence déjà à péter. Je pense qu'il a pris plein de vitamines tellement qu'il veut péter, quoi. Il a allé monter son corps. Donc après, bah, tu chies comme un con. Je sais même plus quoi dire, c'est déjà terminé. Ouais! What the fuck? Vous avez vu? Ici, complètement coupé en deux! Eh, mais on n'est pas dans Saw! On n'est pas dans Saw 1, Saw 2, Saw 3, tout ça. On n'est pas dans Saw! On est dans la vraie vie! Ok? Bon, bah voilà, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mite konnete arigato gozaimasu. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera peut-être une vidéo de Roblox avec Metrobus, Trapper et vos pattes, une autre vidéo réaction, un meme ou autre, voire même un short si possible. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez des likes, commentez, partagez les vidéos et surtout, pétez-moi cette barre de like parce que sinon, tous vos jouets là que vous venez de voir, tous les jeux que vous venez de voir, eh ben,
vos jouets à vous que vous avez depuis votre enfance. Ils vont essayer de péter, vous voyez. Même enfin, ça. Et aussi, n'oubliez surtout pas que la vie est un jeu avec de nombreux jeux au choix. Peace.